C'était la belle époque où la pandémie n'avait pas encore bouleversé nos vies. Et à Venise, une foule immense dans une ville bondée se délectait du carnaval le plus célèbre du monde. Le 21 février 2020, l'Italie ne serait plus à la fête avec son premier mort du Covid-19. Voici Venise aujourd'hui pour le début officiel du carnaval. Personne dans la rue, aucun signe de joie et de déguisement. Le carnaval de cette année n'a pas été totalement annulé, mais il est réduit à des événements virtuels qui commenceront la semaine prochaine. L'Italie, premier pays européen durement touché par le coronavirus, a enregistré plus de 87 000 morts. À la Nouvelle-Orléans, on n'a pas voulu se laisser abattre par le Covid-19. Une association a appelé les habitants à décorer malgré tout leur maison, même si la Louisiane est privée de ses traditionnelles parades pour le carnaval. 9 000 maisons ont déjà été parées de couleurs vives, comme un pied de nez à la pandémie.